Oui, alors fallait rebondir, hein. Fallait vite être performant et puis tout faire pour prendre les 3 points. Effectivement, sur le scénario, ça aurait pu être identique. Après, on s'est créé quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Je considère que le match est plus abouti, notamment en termes d'occasion. Après, il nous manque depuis enfin, sur ces 2 matchs, pardon, un peu plus de maîtrise pour d'un côté pas trop se faire peur, maîtriser un peu plus notre sujet et concrétiser nos occasions, parce que le nombre d'occasions sur les 2 matchs, c'est impressionnant. C'est vrai que bon, de marquer et de pouvoir être à la mi-temps à 2-0, ça nous a permis quand même de pouvoir être assurés. Maintenant, on sait aussi que vu le match précédent, on a eu quelques frayeurs, donc on était quand même assez vigilante. Ça ne nous a pas permis non plus de nous mettre à l'abri avec un troisième but. Comme l'a dit le coach, les occasions qu'on a, c'est bien, mais si on les met pas, ça peut nous mettre des difficultés pour la suite de la deuxième mi-temps. C'est un aspect du match qui nous pose problème depuis un certain temps, et c'est vrai que il faut qu'on se mette dans la tête que toutes les occasions sont importantes et se donner à fond pour nous permettre d'avoir un match facile. C'est toujours la problématique dans le football. Alors on dit, c'est vrai qu'il faut se créer des occasions. Là-dessus, je suis satisfait. On en a eu beaucoup d'occasions. On peut pas le reprocher. Maintenant, les marquer, voilà, c'est pas être hors jeu, c'est le bon choix, la bonne lecture, le bon appui, la détermination. Voilà, il y a plein de termes qu'on peut employer. D'autres matchs, on en a deux, on marque les deux. Voilà, c'est aussi le football, c'est toujours difficile à expliquer. Celui qui a l'explication, bah, il pourra un jour la donner. Moi, je connais personne qui a l'explication. Vraiment, je pense qu'il faut aussi se dire que sur les 3 buts encaissés, Soyo et Rodez, on a 2 pénaltys. En ce moment, les pénaltys, c'est dans le mauvais sens. Il y a des fautes dans la surface pour nous. Ils ne sont pas sifflés contre nous. C'est sifflé, un petit peu litigieux peut-être. Voilà, mais de toute façon, chaque match, dès qu'il y a un but d'écart, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, on l'a dit, on se l'est dit. Hein, si on domine, il faut concrétiser et il faut pas être fébrile. Après, sur les 10 dernières minutes des 2 matchs, on concède une seule occasion. Et on a pris un seul but, et voilà, contre Rodez. Non, je considère pas que on s'est réellement fait peur. On sait juste qu'avec un but d'avance, comme à chaque match, il faut rester vigilant, il faut rester concentré, ne pas encaisser. Et c'est vrai que si on s'était mis à l'abri avant, ça aurait été un autre match. Voilà. Je sais pas, je l'ai pas. Depuis le début de saison, j'ai pas le sentiment que l'équipe lève le pied. Je demande aussi de la maîtrise. Maîtriser, c'est pas aller tout de suite dans la surface adverse. C'est aussi faire courir l'adversaire, les user, être maître de son match. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Peut-être il y a des petites rotations, ça perturbe peut-être un petit peu. On est au mois de novembre, il y a peut-être aussi un peu de fatigue. On peut ajouter différentes choses à travers cette explication-là. Si on revient un peu en arrière à Paris, on a la possibilité d'aller gagner le match sur les derniers instants. Donc, bon, c'est les scénarios de ces matchs-là. Chaque match a un scénario différent. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut juste être conscient qu'il faut mieux protéger notre but. J'attends vite un match sans encaisser. Parce que ça fait quelques matchs que l'on encaisse systématiquement. J'espère demain, voilà. Ça résoudra le problème d'une éventuelle fébrilité défensive. Et si on se crée des occasions, pourquoi pas en marquer, tout simplement. Un autre match que la semaine dernière, une équipe qui s'engage plus, clairement, c'est une équipe qui met beaucoup de combat et d'engagement athlétique, qui est très bien organisée derrière avec la défense. La saison dernière, on est mené 2 fois assez rapidement et 2 fois, on n'a pas réussi à, malgré une domination, on n'a pas réussi à leur marquer ne serait-ce qu'un but sur le match retour.
voilà, ça risque d'être un match serré avec des petits détails qu'on va mettre de notre côté pour être performant et prendre des points demain. C'est à l'image du championnat actuel, avec des rencontres qui sont serrées et qui nous donnent à chaque fois beaucoup, beaucoup de travail. On sait que Fleury, comme l'a dit le coach, ça a été très difficile ces deux matchs l'année dernière. Aujourd'hui, on a quand même dans la tête qu'on sait qu'on peut mieux faire. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Fleury, ils ont quand même un gros milieu qui est bon dans les duels, qui permet aussi de procurer pas mal de jeux. Ça va être un combat, de toute façon, comme on l'a dit, maintenant le championnat est resserré, donc même les petites, entre guillemets, d'équipes apportent du combat, et aujourd'hui, si on ne gagne pas nos duels, c'est compliqué. Demain, ça va être un match, moi je le prends comme un match du top 3, c'est-à-dire comme les grosses équipes qu'on a pu rencontrer, Lyon, Paris, PSG et Paris FC. Et si aujourd'hui on veut passer un cap, c'est sur ces genres de rencontres qu'il faut gagner et pouvoir aller très vite de l'avant et finir l'année avec, en tout cas, pas de défaite. De toute façon, hein, on l'a toujours dit, on peut toujours faire mieux. On a toujours fait des très bons matchs contre les grosses équipes parce que défensivement, on était vigilante, concentrée, sérieuse, déterminée. Et c'est vrai que sur des équipes qu'on considère peut-être inférieures à nous sur le papier, on a peut-être moins ce caractère et cette mentalité à vouloir entamer les matchs comme les gros. Demain, ça va être un gros match, donc il faudra commencer le match à l'heure parce qu'on sait très bien qu'elles sont à la recherche de points et nous, il nous faut être plus costauds à domicile et plus déterminés, donc ça va être un gros match. On sait sur quoi on doit travailler, on sait sur quoi on doit être encore plus déterminé. Donc voilà, chaque match est important et on essaye week-end après week-end de pouvoir rectifier nos points faibles et de pouvoir nous mettre à l'abri très rapidement et de consolider un vrai score, quoi. Ma mission, oui, en tant que capitaine, après essayer de pouvoir faire diffuser le message du coach et du staff. Il y a d'autres joueuses de l'équipe qui ont un statut aussi qui peuvent permettre à l'équipe de pouvoir pousser jusqu'aux limites, pardon. Et je pense que si on est tous ensemble au même but et avec la même détermination, ça va aller. J'essaye de faire au mieux. Après, si on est plusieurs, c'est sûr que ça fait du bien, il y a plus d'impact. Et on le sait aussi qu'un match, ça ne joue pas qu'à 11, ça joue avec les remplaçantes et elles sont importantes et il faut que tout le monde soit concerné pour pouvoir faire un résultat. Soulage, oui, parce que du coup, ça permet d'avoir une voix en plus, elle a du caractère, on le voit sur le terrain, en dehors du terrain. On a à peu près la même mentalité, les mêmes valeurs, donc du coup, c'est vrai que quand on a une personne à nos côtés qui nous permet d'aider à aller vers l'avant, à pousser, etc., c'est toujours mieux. Et puis voilà, après on sait très bien qu'on n'a pas forcément des affinités avec tout le monde, on s'entend toutes bien. Mais peut-être que mon discours envers une joueuse, il va passer moins bien que si elle a ce discours avec cette joueuse-là. Donc c'est toujours du positif et elle nous fait du bien dans tous les cas dans ce domaine-là et sur le terrain. Je sens que l'équipe a du potentiel, je sens qu'on peut prétendre à quelque chose. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est tout le monde doit y croire, tout le monde doit être dans la même mentalité et doit viser le même but. Après ça, n'importe qui,
peut faire passer le message. Si la joueuse en elle-même n'est pas à fond dans ce qu'elle fait, personne ne pourra la changer. Maintenant, je pense qu'on a quand même toutes des objectifs, que ça soit individuel ou collectif, et le résultat collectif permettra d'atteindre ces objectifs individuels aussi. Donc on a besoin de tout le monde, et je pense que oui, on a cette ambition. Maintenant, on fait attention, parce que on sait ce qu'on est capable de plein de choses positives, mais on est capable aussi d'un relâchement, et ça il faut qu'on reste vigilante, quoi. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de monde sur la route pour atteindre les ambitions. Ce qui est sûr, c'est que le club, le président, le groupe est ambitieux. Ça c'est une certitude, mais on n'est pas les seuls. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la régularité, c'est la progression, c'est les qualités. Après, tout ça, c'est du travail. On doit aussi, à un moment donné, prendre en compte les blessures, les petites erreurs d'arbitrage. Alors on dit que ça s'équilibre. Il y a des saisons, ça s'équilibre plus que d'autres, quand même. Et quand à la fin, il manque un point ou deux, et que les décisions sont un peu plus favorables que la saison d'avant ou la future saison, malheureusement, on peut tout faire. Quand je vois hier l'exemple de l'équipe de France, enfin, moi, je sais pas, on est en train de parler de VAR, de hors-jeu de position. C'est des sujets qui reviennent toujours, mais... Comment on peut dire, après le but d'hier, qui peut être refusé à travers ce qu'on voit tous les week-ends? Ce but-là, je le vois tous les week-ends. Et hier, il a été refusé, en plus avec une erreur de règlement. Et c'est un truc de fou. Et donc, en fait, chaque semaine, on repart dans un recommencement de préparation de match. Et parfois, beaucoup de travail pour peut-être pas un résultat immédiat au bout, parce qu'il y a des choses qui se passent. Vraiment, là, aujourd'hui... On est dans une situation où la marge est toute petite, elle est réduite. Ce qui va faire la différence, c'est, je le répète, la régularité. Marion, tout à l'heure, elle dit, mais ça va être important de rester invaincu jusqu'à la trêve. Il y a 6 points à prendre. Rester invaincu, c'est au moins en prendre 2, mais on peut aussi en prendre 6. Ben, pourquoi pas se rapprocher des 6? On va tout faire pour. On va, en tout cas, on travaille pour ça. On est concentré pour ça. Le groupe a envie d'y aller. Donc, alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison, mais pour ça, il faut aller au-delà des limites, il faut encore en faire plus. Et ce match, c'est sûr qu'il est important. Je crois en mon groupe, vraiment, mais plus que tout. Après, il faut qu'on soit en capacité, les 13, 14, 15, 16 joueuses qui vont participer à être au top niveau demain, parce qu'on a envie de battre Fleury. Et je l'ai dit quelques fois au groupe la saison dernière, comment on voulait terminer dans les 4 premiers sans gagner une seule fois contre les 4 premiers. Cette saison, si on ne bat pas les 3 premiers, les 4 premiers, ben on ne sera pas dans les 3 ou 4 premiers. Voilà, donc il faut aller chercher ces victoires-là. On a l'occasion demain, face à un bel adversaire qui a beaucoup de qualité, un beau milieu de terrain, une bonne défense, capable de marquer des buts, de la vitesse, de la transition. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, un bon championnat. Je l'ai dit l'autre jour, ceux qui critiquaient que Lyon et Paris étaient au-dessus, bah aujourd'hui, ils vont aussi critiquer que le championnat est trop serré. Donc on critique toujours, mais très sincèrement, c'est intéressant pour tout le monde de sentir que chaque match, bah, on peut être bousculé. Il n'y a pas de petite équipe, clairement. Et je crois qu'avec les 2 derniers matchs que l'on a fait, on ne peut pas dire qu'il y a des équipes plus faibles. C'était pas une question de blessure du tout, gestion de carton, mi-temps moyenne aussi. Donc quand on ajoute les deux, voilà, j'ai fait ce choix à la mi-temps. Le coaching nous pousse parfois à faire les changements directement à la mi-temps, parce qu'on n'a que 3 rotations, et du coup on garde avec le changement à la mi-temps, on garde toujours ces 3 périodes de changement. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas pour ça que je ne suis pas satisfait du travail de Luna. Elle fait une bonne saison. La semaine dernière, elle était moins bien. Elle a pris un carton. Elle fait une autre faute avant la mi-temps. Ça m'a paru raisonnable. Il y a des bonnes joueuses sur le banc. Maëlys, qui avait joué le match la semaine précédente.
Donc voilà, c'est aussi une gestion d'effectifs, très clairement. On est dans une période où il faut gérer les corps, les têtes, beaucoup les têtes aussi, parce que ça fait 4 mois que l'on travaille. Le temps de jeu a son importance pour le groupe. Je crois aussi qu'une bonne saison se fait avec la totalité du groupe. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, mais elle sera présente demain dans le groupe avec les autres joueuses. On n'a pas de blessures, on a un groupe au complet, mis à part les deux blessés de longue date. Bien sûr, c'est sûr que de voir le football féminin progresser, c'est toujours bien, on a toujours recherché ça, on travaille pour aussi. Voilà, on a eu l'occasion aussi de pouvoir parler avec Stéphanie Frappard. Elle est investie, elle aime ça, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait la stopper dans son élan. Voilà, moi je vais regarder, je vais la soutenir. Après, voilà, que ça soit un homme ou une femme, si elle fait des erreurs d'arbitrage, c'est le sport. Mais moi, je considère pas que ça soit une femme ou un homme. Quand je regarde la prestation, je regarde juste la prestation de la personne. Et voilà, maintenant, j'espère qu'elle fera son match. Ouais, c'est exactement ça. Si elle est là, c'est qu'elle le mérite. Et c'est top, c'est une forme d'ouverture. Je défends beaucoup, beaucoup le foot féminin depuis que je suis rentré dans le foot féminin. La promotion aussi, encore un développement énorme à faire. L'arbitrage a son importance. Au-delà de Stéphanie Frappard, qui a prouvé ses qualités en tant qu'arbitre, le foot féminin progresse. Il faut que l'arbitrage féminin progresse aussi. Ça montre une certaine ouverture. Ça pourra peut-être inciter les petites joueuses de foot un jour à devenir arbitre également, et qu'on en ait de plus en plus. Le petit truc qui peut me paraître embêtant, c'est que on n'a même pas, enfin c'est nouveau, donc c'est logique que l'on en parle. Par contre, je vois pas forcément l'inverse. Pourquoi il n'y a pas d'hommes à l'Euro féminin? Pourquoi il n'y a pas d'hommes à la Coupe du Monde féminine? On est toujours un peu bancal, en fait. On veut pousser cette mixité, mais c'est finalement un peu dans un sens. Donc quand on l'a pas, on le réclame, et c'est très bien. Encore une fois, je trouve ça top que Stéphanie Frappard soit là. Elle est légitime quelque part à travers ses performances en tant qu'arbitre, mais j'aimerais bien le voir dans l'autre sens aussi. Pourquoi pas un des top 10 arbitres mondiaux à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça serait aussi sympa.